Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'était Teguc All Audience, c'est un des poussées de compétition, le deuxième, d'accord, pour les cadets et pour les juniors. Et du coup, c'est un poussée qui va demander un investissement énergétique très grand, d'accord. Et cette énergie, on va la chercher dans la respiration. C'est pour que le thème aujourd'hui, c'est la respiration. Et aussi parce que le poumsé symbolise le vent. Donc en fait, les deux thèmes aujourd'hui sont très liés, hein. Le poumsé symbolise le vent, donc on doit faire les mouvements aussi souplement, aussi doucement qu'une brise le matin sur le long de la colline. Et par contre, quand on accélère, c'est vraiment le fracas de l'ouragan sur la montagne, hein. On le retrouve dans plusieurs techniques et ça, on le verra. Et on travaille par la même occasion la respiration, hein, le vent, la respiration, vous avez compris, c'est la même chose, hein, c'est l'air qui nous entoure. Et c'est vraiment à partir de ce poumsé-là qu'il faut vraiment bien maîtriser les différents systèmes respiratoires et cardiovasculaires pour ne pas être essoufflé à la fin du poumsé, ce qui demande quand même une grande énergie au niveau de l'oxygène. Donc on va commencer. Allez, c'est parti. Tu auras donc ceinture. Tudora, Chumi. Allez, ici on commence. Aujourd'hui, simple, au sol. Voilà. Voilà, on va fermer ses yeux dans un premier temps. Pas pendant longtemps, vous inquiétez pas. C'est juste pour se concentrer sur la respiration naturelle que vous avez pour l'instant. Allez, Rana, tout le set, c'est Chuck. Concentre bien sur la manière dont on respire. Se rend compte quel muscle, quelle partie du corps bouge quand je respire. Lentement, vous faites descendre la respiration vers l'abdomen, vers le centre de gravité, vers l'énergie, là où il y a votre nœud de ceinture. C'est uniquement avec les muscles là, diaphragmatiques, s'expirer l'air, vous inspirez. Respirez bien. Voilà, ça permet de faire le vide aussi au niveau de la tête, de rendre son esprit disponible à la pratique. Très bien, ouvrez les yeux, on se relève doucement. Donc maintenant, vous avez senti au début, souvent, vous inspirez avec le nez, ça se lève ici. Vous voyez, les poumons se gonflent et ça lève les épaules. Et quand vous expirez, soit avec le nez, c'est pas assez rapide par rapport à un système de performance, d'accord, art martialiste, vous expirez plus avec la bouche. Et vous soufflez. Du coup, vous voyez bien que les épaules se lèvent, ça descend. Et ça, c'est pas bon, il faut absolument abroger ça quand on fait un poussé. Jamais les épaules vont se lever pour frapper. C'est pas bon du tout. Alors, quelle que soit la technique, même quand on va vers le haut, l'épaule reste en bas. On ne fait pas ici un lever d'épaule. Donc, la respiration que vous utilisez avec le nez, les muscles là, qui sont tout autour pour ça, hein, vous ne le sentez pas, mais on va dire les muscles de la tête, du nez, de la bouche, pour inspirer, souffler, ça, il ne faut plus le faire. Ça, c'est quelque chose de naturel que vous faites tous les jours. D'accord? Et ensuite, vous avez une deuxième type de respiration potentielle. C'est la respiration dite des plongeurs. D'accord? Qui utilise ça pour regarder au fond de la mer avec le dos qui se gonfle. D'accord? Pour faire une sorte de bouée naturelle au niveau du dos. Celle-là n'est pas bonne non plus, hein, si on fait un poussé de. Non. C'est tout ici qui va se gérer. Ici, c'est le centre de gravité, c'est le centre de la puissance universelle du chakra, du chi, de ce que vous voulez. D'accord? Et c'est là où il y a le nœud. Et c'est le diaphragme qui va jouer. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez là relâcher les muscles de la bouche, de tout ça, et laisser la bouche entrouverte. Et là, vous allez tout simplement contracter les abdos. Vous allez sentir une expiration. Et vous allez relâcher les abdos. Si c'est bien fait, vous allez sentir une inspiration naturelle. Même pas besoin d'utiliser les muscles. D'accord? C'est juste ici que ça se joue. Donc ici, on contracte. Et là, je décontracte, je relâche. Vous voyez, ça inspire l'air. Ça emmagasine l'air. Donc on le fait ensemble. Regardez ici. Regardez, je contracte. Voyez, je contracte. Et je relâche.
Je souffle là. Et vous voyez que naturellement, les épaules ne se lèvent pas et vous avez une contraction ici abdominale diaphragmatique qui s'exécute. Et ça, c'est lié aussi, quand vous faites le poussé, à votre gainage ici du corps pour lancer le bras. D'accord ? Pour être net. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire. Non, mais plutôt. Vous voyez, je n'ai pas levé les épaules et c'est exactement vers là où il faut aller. Donc maintenant, pour schématiser, imaginez là, donc vous expirez l'air. Vous avez ça qui se passe, d'accord? Mais vous contractez les abdos. Là, on a une poche d'air ici qui va venir pousser, d'accord? C'est, les abdos poussent la poche d'air et ça diminue la poche d'air et ça expulse tout l'air. D'accord? Mais au niveau ici visuel, quand vous relâchez, ça gonfle le ventre. Quand là, on a la ceinture qui permet de maintenir le ventre, hein, ceux qui ont des ventres un peu relâchés par rapport à leur bon relâchement, ou une sangle abdominale un peu moins musculaire, la ceinture permet de maintenir. C'est un très bon outil. D'accord ? Donc là, inspirez l'air, votre poche d'air va faire. Vous voyez, j'exagère un peu là. Et là, quand vous allez expirer, l'air, il va faire ça. Mais vos muscles, vous sentez qu'ils poussent vers l'avant. D'accord ? Paf, quand j'expire et après, d'accord? Donc, on va faire des petits cycles respiratoires dans un premier temps juste pour sentir. Donc ici, on relâche tout. Voilà. On va le faire ici debout et après, on le fera assis. Donc ici, je libère tout ce qu'il faut libérer au niveau musculaire. Je relâche tout. Juste ce qu'il faut pour rester droit. Et là, je force sur les abdos. Et là, je relâche. Et vous soufflez, vous voyez mon corps qui se contracte, le dos qui bouge. Parce que musculairement, il y a quelque chose. Et encore, on relâche. Et fermez les yeux s'il faut. Suivez ma voix, on contracte. On relâche. On contracte. On relâche. Maintenant, sentez le bruit, ressentez le bruit que je fais quand j'expire et quand je souffle et focalisez-vous là-dessus. Donc là, c'est quand j'expire. Vous voyez, c'est net. Et quand j'inspire, c'est un peu plus sourd. Ok ? Donc, focalisez-vous là-dessus, fermez les yeux. C'est parti, on fait ça ensemble. Ok, on relâche. Vous sentez que si vous maintenez la contraction, c'est impossible pour le corps d'emmagasiner l'énergie. Vous restez là, c'est la contraction, c'est de l'apnée. On ne peut pas difficilement inspirer tout en étant contracté. Si je relâche, naturellement, il y a une inspiration qui va se faire. Ok, on va le faire au sol. Voilà, comme ça, vous allez avoir la sensation. Et en début de chaque séance, quand vous voulez commencer une séance, vous commencez par ça. Un cycle de 1 minute, c'est suffisant pour libérer son esprit des contraintes de la journée. Mettre son esprit disponible pour la pratique et préparer le corps avec une bonne respiration. Okay, donc on va faire ça juste 10 fois. Vous suivez le son de ma respiration. Vraiment, à tout le 7, c'est tchac. Vous devez sentir les épaules qui ne se lèvent pas. C'est juste ici. Les abdos, le diaphragme qui travaille. Un petit dernier. Très bien. Allez, debout. Voilà. Donc là, pendant toute la séance, vous allez vous entraîner à vous respirer comme ça pour réussir naturellement à le faire. D'accord ? Pensez-y. Et tout le temps, c'est ça. Donc, pendant la séance, je vais beaucoup expirer fort pour que vous sentiez la chose. D'accord ? Mais en poussée, il ne faut pas que le juge ne perçoive votre respiration. Sinon, ça montre que vous ne maîtrisez pas. Et moi, je vais le faire dans un but pédagogique pour que vous entendiez l'inspiration et l'expiration. D'accord ? Donc, allez, on commence la séance. Tranquille, cheville, on chauffe un peu. On a ramené son riz, ici je plie et je tourne. 1, 2, 7,
net, so, so, go, hop, yol, dans l'autre sens, ça va, set, net, so, so, go, hop, yol, pied joint, gauche, droite, là, pull, set, net, so, so, go, et deux, hop, yol, ici on ouvre, on ferme, on ramène, là, pull, set, net, so, so, go, hop, yo, dans l'autre sens, je plie, j'ouvre et je ramène. Hein? Set, net, so, so, et go, et deux, hop, yo, très bien, je tends, hein? Plus je plie, set, net, hein? Plus, set, net, so, so, et go, et deux, hop, yo, super, ici on tourne un peu plus grand que Naranisogi, et la hanche, bien grand, hein? Plus, set, net, so, so, et go, hop, yol, dans l'autre sens, là, c'est, net, so, so, et go, hop, yol, gauche, droite, là, c'est, net, so, so, et go, hop, yol, en avant, en arrière, là, c'est, net, so, so, et go, hop, même quand vous comptez comme ça en coréen, habituez-vous avec le drapeau. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
Ok, maintenant dans le thème, ce qui nous intéresse, c'est la respiration. Donc là, quand on fait un chumbi sogi, d'accord ? Narani sogi, chumbi sogi. Je suis là, chumbi, et là j'inspire, j'emmagasine l'air. Je me relâche, vous voyez, je relâche. Et là, je contracte. Okay ? À l'ancienne, traditionnelle, on faisait. Souvenez-vous, il y avait ça, hein, ça se voit aussi peut-être dans des clubs qui font beaucoup de traditionnels, mais on était là-dessus. Donc là, c'est plus doux quand on va sur la compétition et de manière, maintenant, dans tous les passages de grade, on attend quelque chose aussi de maîtrisé. D'accord ? Donc ici, je suis là, j'inspire en relâchant ici. C'est pas un... Vous voyez, c'est de suite l'envoi, on dit, ah, lui, il va être crispé, ça va pas être bon. Donc ici, je suis là, Kyungi, et là, je relâche. Donc là, si j'ai fait une expiration sur ce mouvement, la prochaine action sera une inspiration. L'inspiration est toujours liée, d'accord, avec un armement. Parce que l'armement est doux, d'accord, il est dynamique, mais il reste doux, d'accord, c'est la brise, d'accord, le moulin qui tourne tranquillement. Et après, dans l'accélération, c'est là où on va voir l'expiration. Donc, dans un premier temps, on va faire juste simplement deux choses. On verra après, dans un deuxième temps, quelque chose d'un peu plus subtil. L'inspiration, on l'a vu, je relâche ici. D'accord ? Jusqu'au moment où je pose ma position intermédiaire. Donc, le pied, hein, souvenez-vous, quatrième poussée, c'est ce qu'on a fait. Donc, il faut suivre. Le pied ici levé. Ça, c'est jusqu'à ce moment-là. D'accord ? Où j'inspire. Donc, j'ai le temps. C'est pour ça que je place. Voilà. Et après, quand je souhaite accélérer pour bloquer, d'accord, c'est là où je force, là. Je contracte. D'accord. Et là, je pose la position. Comme je suis contracté ici, ça contracte tout mon tronc et je suis stable. Si, si, je fais l'inverse, ce qu'on voit souvent chez les débutants. Non, vous voyez. On a envie, quand on souffle, de mettre le cou comme un T-Rex. Là, non, ça, c'est pas bon. D'accord ? Donc, on est là, c'est ça qui nous va. Et là, on est stable, on est bien droit. D'accord ? Premier thème, structure du corps. D'accord ? Donc, ça, c'est simple. Allez, Maki. Là, nouvelle position et nouvelle technique. Donc, là, tout simplement, vous allez pousser ici. Vous allez ici plier. D'accord ? Et vous allez revenir comme ça. D'accord ? Donc, ça, c'est Yop Sogi. Mais souvent, c'est dit Wen Sogi. D'accord ? Wen Sogi, parce que c'est à gauche. Si je le fais ici, hein, boum, je reviens au Wenso. Donc là, c'est simple. Regardez, j'écarte sur le côté. Je suis là, un pas, boum, Wenso. Parce que je suis ici, vers la gauche. Je regarde vers la gauche, Wenso, Yopso. Parce que c'est sur le côté. D'accord ? Voilà. Et souvent, au niveau pédagogique, j'aime bien dire que c'est un petit duit goubi. D'accord ? Si vous continuez la position, comme ceci, vous gardez le poids là. La position ici, c'est duit goubi. Si vous remontez, c'est Yopsogi, Wensogi. D'accord ? C'est mon truc à moi, donc ne le prenez pas pour argent comptant, mais ça peut vous aider. Donc ici, Yopsogi. D'accord ? Et maintenant, une nouvelle technique, Mejumok Neryochegi. Donc Mejumok, au niveau du poing, hein, on a le Abjumok qui est devant ici, Donjumok, on l'a vu, c'est le revers du poing. Ok ? On a le Sonal, le tranchant. Et là, Mejumok ici, c'est tout ce qu'il y a dessous là, cette zone qui vient frapper. Et ça, c'est la zone où on tape du poing sur la table. Mais c'est exactement ça en fait. Neryo, c'est vers le bas, c'est le marteau. D'accord ? Coup de pied marteau, vous connaissez. Neryochagi, mais là, c'est Mejumok Neryochagi, c'est la frappe avec le bras. Donc comment on l'arme ? Donc déjà, ce bras, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on est là, on a fait le Halemaki. Ici, regardez bien, je vais pivoter. Je remonte. Toc, 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 toc. Et après, quand je suis là, je dois regarder le revers de ma main, donc le Dunjomok, vers moi, d'accord ? Et là, vous avez la paume de la main vers vous, d'accord ? Et là, regardez, je fais mon cercle, tac, 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 je tape ici, et là, je relâche. Pam, pam, d'accord ? Et ça part de là, c'est un grand cercle. Voilà, je viens ici plier le coude, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie, j'exagère rien, là, regardez, pam, le coude, et après, le bras qui part. Pam, pam. Et à la fin, il y a la petite rotation du poignet aussi. Donc, je monte, je monte, je monte, je monte, je ici,
Tac, vous voyez, même quand je tends ici, après j'ai fini. Naturellement, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Vous voyez, c'est difficile ici de passer et d'avoir le point comme ça. Ça se fait une clé de bras. Naturellement, ici, on arme et on laisse faire. Paume de la main vers vous. Et quand je finis, ça reste aussi vers vous. D'accord? Mais si je reste comme ça, sans utiliser une rotation ici du bras complet, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc naturellement, je suis là et vous laissez faire. Okay? Et ça, c'est un mouvement qu'on fait depuis le début, ça. Hein? Vous voyez? Même ici, quand on fait ça, hein, souvenez-vous, 1, 2. Et là, c'est pareil. 1, 2. D'accord? Donc ici, allez, Maki. Et là, le souffle. Voyez? C'est dans le retour, je ne peux pas accélérer en allant vers le haut. J'accélère une fois que je suis bien là et que je vais vers le bas. D'accord? C'est là où j'expire. Donc si on reprend juste ce petit combo, je suis là, j'ai soufflé. Là, j'inspire, je décontracte mon diaphragme. J'ai contracté. Là, le moulin. Et alors, regardez, au moment où je vais toucher ici, c'est là où j'accélère. Et j'expire là. D'accord? Je contracte. Très bien, ça va ça? Donc, une dernière fois, prends un peu de temps pour bien comprendre comment ça fonctionne la respiration ici. Et ici. OK? Je fais un peu en deux temps pour l'instant. OK? Pour que vous puissiez assimiler la chorégraphie de la respiration. Donc, je suis là, Wensogi, très bien, angle droit. Hein. L'autre côté, c'est la même chose. Donc là, regardez, transfert de poids ici, ça vous connaissez. Maintenant, un déplacement dans le troisième poussé, on l'a vu. Un, boum, et là, je souffle. OK? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Le hapchouk, il va pivoter. Donc naturellement, vous allez voir quelque chose comme si en fait le talon, il allait en arrière, d'accord? Mais il faut vraiment transférer le poids ici, placer et après se déplacer vers l'avant. D'accord? Il ne faut pas qu'on ait cette sensation où vous allez vers l'arrière. Ce n'est pas bon. Okay? Il faut, on est là, tranquille. Un. Et je vais vers l'avant. Vous voyez, ça fait un coup sec quand j'expire. Ici, même chose, je reviens. Regardez, je pose en même temps que là. Boum. Et là. OK? Donc maintenant, les deux côtés, c'est bon. Donc naturellement, vous avez vu, j'ai mis le bras. Donc le deuxième bras, il est là. Comme ça à la fin. Ici, je suis là. J'arme, boum. Je passe ici à l'intérieur. D'accord? Pas trop loin, pas trop grand. Vous voyez, je suis de face. Un, deux. On ne sait jamais, regardez. Si martialement, il faut toujours réfléchir à pourquoi on a le bras ici. J'ai le bras là, ok, pour tracter, mais imaginez, je suis là. Oh, je n'ai pas le temps de faire ça. Et bien ici, bam, j'enchaîne le deuxième, alors que je suis déjà ici. Vous voyez? Bam, bam. Il y a toujours cette logique pourquoi on met le bras là, parce qu'il soit prêt pour une suite potentielle. D'accord? Il ne faut pas rester toujours dans cette optique de boum, boum, c'est comme ça et c'est que ça. Non. Je suis là, je mets le bras, on ne sait jamais. Ah, il est déjà là et là, paf, je peux envoyer celui-là qui est déjà prêt. OK? Vous voyez un peu la logique là-dedans? Donc, il ne faut pas qu'il soit sur le côté, sinon ce n'est pas bon. Donc, ici, boum, un, vous voyez là, vous le voyez bien. Et là, smack. Et là, je viens de frapper. On commence, boum, là j'expire. Voilà. Ici, le tronc, il y en a sur le retour, bien sûr. Je suis là, un. Et quand je repars, mais pas beaucoup. D'accord? On ne va pas ici trop y aller. On y va, hein, comme je l'ai dit, naturel, là-dessus. Hein, dans le deuxième poussé, on avait travaillé le tronc. On revient sur la base naturelle ici, des hanches et des épaules qui sont bien alignées. Il n'y en a pas un ou l'autre qui est tordu quand. La technique, c'est même bras, même jambe. L'autre côté, c'est pareil, je relâche. Et là. OK? Voilà, donc ça, c'est la première ligne. Donc, ce n'est pas compliqué, mais il faut le travailler. Donc, vous regardez le live et après, vous allez travailler chaque mouvement avec respiration 100 fois. OK? Et ça par jour jusqu'à mardi prochain. Donc, ensuite, on est là. Boum. Là, c'est ce qu'on connaît. On va aller tout droit. D'accord? Donc, moi, je le fais de face. Hein. Wensogi toujours, et maintenant ça va être Aboubi. Donc là, je suis Wensogi, mais je vais avancer Aboubi. Donc là, je me déplace pour mettre mon centre de gravité, ça vous connaissez maintenant. Et là, j'arme. Vous voyez, je monte direct. Et là, premier, Mentomaki. Et là, deuxième, Mentomaki.
D'accord ? Et là, imaginez dans votre tête que ça fait un moulin comme ça. Vous voyez ? Le vent. Je vole dans le vent. D'accord ? Je nage dans le vent. D'accord ? C'est comme ça. Toujours imaginez le vent quand vous faites ce qu'on sait. La force du vent. Ok ? Donc, boum ! Je reviens là. Et là, regardez. Le vent, hein ? J'explique. Et là, je... Comme ce mouvement est rapide, c'est hana tul, on est sur place, il va falloir faire ça sur une expiration. C'est, on n'a pas le temps de... D'accord ? Vous pouvez le faire si vous y arrivez, mais pour un débutant, il vaut mieux garder un peu de jus. D'accord ? On va le refaire ici en aboubi, tranquille. Donc là, j'ai armé. Là, je... Visuellement, c'est, ça va, d'accord, mais au niveau du rythme, ça n'ira pas. Il faut vraiment lier les deux. Donc, vous faites là, hein, vous voyez. Et ça, on le retrouve dans le JT plus tard. Donc, si vous maîtrisez, quand on est là, hein, ceux qui connaissent le JT, c'est la même chose. Hein. Je viens chercher 1 et 2, c'est exactement le même. D'accord, c'est la même dynamique, la même logique. Donc, je suis là. Ici, j'expire. Je monte. Et là... J'expire tout ce que j'ai. Très bien. Et là, dans la même expiration, vous voyez, c'est la même expiration. D'accord ? Au même titre qu'en fait le premier poussé ici. Allez, Maki. Vous n'avez pas le temps de faire. Non, c'est. Voilà, c'est Hanatul. D'accord ? On reviendra sur le rythme dans une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, je suis là, c'est là où je vais avoir du temps pour prendre de l'air. Changement de direction, j'ai du temps pour me déplacer, j'ai du temps pour prendre de l'air. Donc, je suis là. Voilà, et là, j'ai fini. D'accord ? Donc, c'est tout simplement deux montants maquis. Donc, il n'y a rien de difficile là-dedans, c'est juste le timing. Il faut savoir que j'inspire. Et là, dans la même inspiration, j'ai à peine stoppé que ça lance. Et regardez où je suis. Et je repars. Ok ? L'utilisation du trot est primordiale là. Je vous renvoie au deuxième poussé et après, faites votre travail personnel pour progresser là-dessus. Nous, on enchaîne. Donc là, ensuite, boum, boum. Ici, dans mon déplacement à Tchagi, je relâche. Et là, je prends comme une impulsion, un ressort. Et quand je suis prêt, d'accord ? Je vais être là. Je frappe et j'expulse l'air. Ok ? Donc, on recommence ici. Ici, vous voyez, c'est en un coup, je lance tout ce que j'ai là. Si je lance la jambe, donc allez-y doucement sur la jambe, on n'a pas chauffé, d'accord ? Ce sont des choses qu'on connaît, donc vous le travaillerez tranquillement. Ici, regardez, je me place. Et quand je suis bien pris là, je suis bien plié, je suis pris là, je sens le timing, ça c'est du ressenti que vous devez sentir. J'expulse. Ok ? C'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez pas, c'est pas. Bon, on a le temps là. D'accord ? Ici, oui. Paf ! Après, il faut enchaîner toute la ligne comme ça. D'accord ? Donc maintenant, Hama Tul. Voilà, et là, il y a un petit stop. Ici, par contre, on enchaîne. Là, Dunjumon Kapchili, ça on connaît. Aboubi. Là, regardez, le tronc, il est là. Je monte. Paf, et je tourne. Je le fais ici, à Pchagi. Quand j'ai frappé, regardez, je décontracte. Et là, je suis là, la garde. Et là, j'ai appuyé, j'ai mon appui, je suis tourné, et je suis là prêt, et là, j'expire. Voyez, et la frappe, elle va devant. Dunjumok, à Pchagi. C'est pas Dunjumok, Nyaryo, attention, ça va tout droit. D'accord ? Et ici, dans la même logique, l'autre, il va pareil. C'est pareil que l'autre, d'accord ? Au lieu de montong, montong, c'est Dunjumok Apchigi, montong maki. Mais c'est la même chose. Et c'est là où c'est difficile. Pour vraiment sentir le vent qui fait une tournade. Vous voyez, ça fait. Ça tourne. Ok ? Donc, on recommence tranquillement ici. Boum, boum. Et c'est à partir de là. C'est lié les trois techniques. Là, on expire, d'accord ? On finit la technique. Et là, j'inspire. J'expire. Là, je réarme.
Et voilà. Et là, Donjuma Kaptiki, c'est bien Il Jong, à la tête, juste en dessous du nez. Attention. Et là, il faut bien redescendre. Souvent, passage au grade, on voit trop de personnes qui font ça en bas, ça en haut, ça trop haut. OK. Si ça, c'est bon, ça, après, c'est trop haut. Donc, sur la même ligne, vous pouvez faire plein de points. D'accord. Souvent, une faute technique, c'est un point moins sur 20. D'accord. Donc, ça va vite. Donc, on a fait la faille. Pouf, je soupe. Ici. Là, je suis bien à la tête. Je monte. Et je descends. Ici, on va faire une deuxième fois la même chose. Donc, pas de précipitation. On vient de le faire. Ici, j'expire. J'ai fini. Je me place, j'inspire. Là, je décontracte le diaphragme. Et après, je frappe. D'accord. Je regarde devant, bien sûr. Et ici, j'arme. Boum. Vous voyez, ici, bien la tête. Et dans la même expiration, j'accélère le deuxième. C'est vraiment le poussé de la respiration du vent, celui-là. C'est pour ça qu'il est très difficile à exécuter. Souvent, on le fait sans comprendre comment il faut le faire. Mais pensez au vent. C'est très important de penser à ça. Très bien. Donc, on va recommencer juste ce mouvement. Et après, la suite, vous connaissez, c'est relativement simple. Donc, boum, boum. Ha ! La même respiration. Ici, encore une fois. Donc, apchagi. Là, je relâche. J'expire. Là. Et là, j'avance et je refais avec le point droit de Jumon Kapchigi. Donc, regardez, j'ai tout le loisir pour bien inspirer et relâcher. Et après, j'utilise bien ici. Bon, là, regardez, là, je suis déjà bien tourné, si j'ai bien exécuté et bien appris le thème numéro 2 sur le tronc. Là, j'ai juste à pousser tranquillement. Et là, regardez, je suis déjà armé avec le tronc. Je passe. Là, j'expire à ce moment-là. Bon, et là, j'ai fini la ligne. Donc, vous voyez la ligne, si vous l'imaginez, on part de là, on imagine ce que fait le bruit, d'accord, de la respiration. Donc ici, imaginez. Okay, c'est vraiment là-dessus. Et quand vous faites des projections astrales de votre esprit pour méditer, mimez la respiration, ça va vous aider à avoir un rythme naturel dans votre poussée. C'est vraiment la respiration qui va gérer. Ne subissez pas votre respiration, c'est vous maîtrisez la respiration et c'est elle qui coordonne le poumsé. Ce n'est pas l'inverse, d'accord. Ce n'est pas le poumsé qui fait subir à la respiration son rythme. Très bien. Donc maintenant, on a fait cette première ligne vers l'avant. Donc, on a fini ici. Là, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. D'accord. Quand on tourne ici, ça, on l'a déjà vu. Donc là, on va tourner Dwit Gubi Hansonal Montomaki. Hansonal Montomaki, on l'a vu. Si on fait rapidement Hana Tul, d'accord, on est là. Hana Tul 7. Et ici, après, avec l'autre, Hana Tul 7 net. Et après, si j'arme ici, Hana Tul 7 net d'assaut. Avec le bras ici, boum, le tronc terminé. OK, c'était rapide. On le connaît. Le troisième poussé, pas besoin de le refaire. Donc, on est là. Bien, Abgoubi. Je transfère mon poids, ça, on l'a vu. Et là, sur le transfert de poids, on rajoute le relâchement, d'accord, l'inspiration. Et là, vous êtes là, et là, regardez, je suis prêt à souffler. Ah, boum. Et là, j'ai terminé. OK, on le refait en un coup, tranquille. Donc là, on est là, Donjuma Kaptigi, et là. Ah, boum. Très bien. Ici, j'avance, donc là, j'expire. Et là, Palkuk Donochigi. C'est la première fois qu'on va rencontrer les coups de coude. Palkuk ou Palgomji. D'accord. Les deux se disent, hein, si vous entendez les deux, n'ayez pas peur. Palkuk, c'est plus commun en France. Palgomji en Corée, c'est le coude. D'accord. Donc, on vient frapper Dolyo. Palkuk Dolyochigi. Dolyo, vous connaissez Dolyochagi. D'accord. Boum, sûrement. Théoriquement, non, parce que c'est dans le sixième poumsé qu'on va le voir. D'accord. Mais au niveau combat, c'est quelque chose qu'on apprend très vite. Et c'est pareil, c'est circulaire. Donc, on vient frapper ici sur le côté. Imaginez un uppercut, mais un crochet, pardon, un crochet ici de boxe, mais avec le coude. Bam. D'accord. Et ça, ça se fait en avançant. Donc, boum, ici, je relâche mon diaphragme. Et après, je frappe. Et là, je viens frapper, je viens déchausser la mâchoire. D'accord. Je vais bien viser la mâchoire. Donc, visuellement,
si vous êtes parfaitement parallèle au sol, c'est géométrique, le juge il va dire, pas bon, c'est pas visible. Si vous montez un peu, ok, ça va aller. D'accord ? Mais un peu, souvent, il y en a, c'est pas bon. Il ne faut pas lever l'épaule. Épaule en bas, et là, il faut finir ici. D'accord ? Voilà. Le poing vient fermer, et la main comme ceci, et on vient impacter là. Là, vous avez des os. Vous voyez, vous avez des trous dans les os. Là. Et là, vous avez des os, et vous avez des trous dans les os. Et voilà, vous faites des Lego. C'est beau, hein ? Le taekwondo, c'est beau. Voilà. D'accord ? Il faut avoir des logiques morphologiques aussi. Donc, je le répète, quand vous frappez, son al, il est ouvert. Imaginez là, vous attrapez et vous venez impacter. D'accord ? C'est ça le but. Donc, je suis là et là, boum ! Et si je suis bon, je finis pile poil ici, je m'entraîne, vous voyez, comme ceci. Le point étant plus large, théoriquement là, vous devez avoir parfaitement les os comme ceci. Soit ça dépasse, ça dépend de votre morphologie. D'accord ? En tout cas, là, l'os qui est là, d'accord ? Il va ici au milieu. Voilà, ça suffit. Okay. Vous pouvez tester. C'est là où on est le plus à l'aise pour pousser. Hein. On ne met pas la main là. D'accord ? Sinon, ça casse. C'est ici. Comme ça, on a vraiment toute la force de la main qui vient bien s'imbriquer. Et on peut moins glisser que si on est en bas. D'accord ? Donc, ça, c'était la petite anecdote Martial Merman. Donc, sûrement que vous la connaissiez déjà pour certains. Mais en tout cas, c'est important pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc là, boum, je pousse. Et j'expire. Et là, je suis bien là. D'accord ? Ça, c'est un très bon handbon kirugi. Hein. Vous êtes là, il attaque, vous bloquez, boum, et vous repartez. Et en même temps, vous pouvez attraper le coude, son coude, selon que vous avez bloqué, hein. Son dobok, son poignet, peu importe. Et après, boum, vous venez bloquer. Et on voit que vous maîtrisez cette technique. D'accord ? L'handbon kirugi, je répète, c'est pour voir à quoi sert la technique. Donc, si vous le faites des mouvements de poussée dans la main de kirugi, c'est très bon. Hein. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'être très inventif, d'accord, pour être performant et passer ses grades. Ok. Boum. Ici, je pousse. L'autre côté, c'est pareil. Donc là, regardez, le coude, c'est lui qui va gérer. Je ne vais pas rester là. Sinon, si je le lance, ça fait un chigi comme ça. Et ça, c'est une technique qu'on va apprendre en choreo, donc patience. Même si j'ai déjà fait choreo à une époque, on n'en est pas encore là. D'accord ? Donc là, ce qu'il faut, c'est descendre le coude. Je vais envoyer ici près de vous. Hop, vous êtes là. Et là, quand vous descendez le coude, vous avez compris. Maintenant, dès qu'on va réarmer, on relâche ici. D'accord ? On inspire. Et naturellement, vous voyez, je suis déjà pris ici. Voilà. Maintenant, dans le mouvement, je suis là. Vous voyez, je laisse mon coude là où il est. Je suis déjà armé. Et là, je pose et là, j'expire. Boum. Et là, j'ai fait mon son dans le maquis. Il n'y a pas besoin ici de revenir là, d'accord ? C'est bizarre, c'est pas efficace. Il faut toujours avoir cette logique de simplicité. Le poussé, c'est un mouvement simple, même si quand on l'apprend, on a l'impression d'être ridicule. Mais il faut aller vers la simplicité. C'est vraiment ça, en fait, la perfection en taekwondo, c'est la simplicité. Voilà, s'il y a quelque chose qui tourne, eh bien, il faut le faire le plus simplement possible. Il y a quelque chose qui va vers l'avant, il faut le faire le plus simplement possible. D'accord ? Voilà. Donc, on est ici. Là, je pousse. Regardez, tac, 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 tac. Là, j'ai bien tourné. Je suis là. Je suis en haut. On recommence doucement. Tac, 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 tac. Là, j'ai expiré. D'accord ? Et là, enfin, j'ai inspiré. J'ai relâché. Et là, quand je suis là, j'ai posé. Position intermédiaire. Et là, boum, je bloque. L'autre côté, c'est la même chose. Hein. Je suis là. Et là, bam, 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 bam. Voilà. Si vous voulez de l'impact sur le parcours d'Orochigi, vous ne pouvez pas avoir de l'impact juste comme ça. D'accord ? Là, vous avez bien vu la rotation du tronc qui est primordiale. D'accord ? Hop, et on finit bien ici. Et après, parfaitement ici, vous tombez, comme je viens de dire, vous emboîtez vos Legos là, et c'est nickel. Donc, on va juste refaire ces quatre mouvements, comme ça, ça c'est clair. Ici, écoutez bien la respiration, c'est le principe fondamental de l'ordre. Donc ici, on va faire l'expiration, et c'est parti. Voilà. C'est un peu robotique pour l'instant, c'est normal, on le fait en deux temps. D'accord ? Après, on va apprendre à le lier, tout ça, dans un deuxième temps, vous inquiétez pas. Donc je suis là. Ici, même chose. Allez, maquis, vers la gauche. Donc ça, c'est simple, on l'a déjà vu. Hein ? On se déplace ici, j'arme,
Ici, on enchaîne menton maki. Donc, même logique, même position. Hama tul, d'accord? Sur une même expiration, c'est pareil. Donc, si vous maîtrisez le début, vous maîtrisez ce mouvement. Donc, on recommence ici. Tranquille. Ok, on commence. Tranquille. Boum. Ici, un beau apchagi. Ça, comme tout à l'heure, j'expire l'air quand je frappe. Ici, j'arme le halemaki. Vous voyez, le tronc. Si j'ai bien tourné, il est déjà prêt. Hop, et là. Et la même chose, j'expire. Boum. Donc, on recommence. C'est vraiment lié là. C'est 1, 2, coup de pied. 3, 4. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On est ici. C'est parti. Ici. Et là, coup de pied. Voilà. J'espère en vidéo, ça donne bien. Ça saccade un peu, je pense. Mais si vous avez compris le principe, c'est bon. Donc, je suis là. Ici, on refait doucement comme ça. Ici. Et dans la même expiration. Voilà mon tomaki, vous voyez, en grâce à la vidéo, je vois bien si je suis taxé là. Comme mon tomaki, je ne suis pas sur le côté, je bloque le plexus. Très bien, d'accord. Donc ensuite, un petit ukulmaki. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau aujourd'hui dans le troisième, cinquième poussée? On a appris un yopsogi, ou un sogi, qui est un bébé d'huile boubi, d'accord? Ça, c'est mon truc à moi, donc attention en le réutilisant hein, en présence de d'autres professeurs. On a appris Mejumok Niruchigi, qui est une variante de Dunjumok Apchigi, d'accord? Ça, c'est un peu la même logique, d'accord? C'est bien vers le bas, là, Dunjumok, c'est vers là, mais on a quand même une logique qui part vers le bas, d'accord? Pour ensuite frapper. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué, ce poussé, hein, c'est juste la chorégraphie du vent, d'accord? De vent, bon, vous voyez, vous avez compris, la respiration qui va être un peu plus compliquée à assimiler. Donc maintenant, j'ai fini ici. Hamatul. Bon. Ici, là, c'est pas mal. Je me déplace. Bon, moi, je recule pour que vous voyez bien comment je me déplace vers l'avant. Bon. Je relâche. Ici, je suis là. Et là, Ulgulmaki. Donc là, j'écarte ici, hein, naturel, vous connaissez, vous vous souvenez. Boum. Ensuite, ici, on va faire un beau yopchagi. Donc là, pour l'instant, comment on fait un yopchagi, vous l'avez vu dans le 4, c'est exactement le même. Quand on a fait le hop-bubi yopchagi, c'est la même chose, d'accord? Donc là, on va juste rajouter aujourd'hui des petits critères très précis que je n'avais pas dit la dernière fois parce que dans chaque poussé, on apprend quelque chose de nouveau. Hein, si la même journée, ce n'est pas rigolo. Donc là, ça, vous connaissez, je place les points, je lève ici, d'accord? Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je tourne ici, d'accord? Équilibre. Donc, je recommence. Hop, je passe ici. Apchagi. Je tourne sur le apchouk. Équilibre. D'accord? Ici, il y a le revers qui part là-bas. Donc, maintenant, ça, il faut le faire en un coup. Donc, boum. Là, on doit présenter le talon vers la cible tout en tournant à 180 degrés le talon vers là-bas. Donc, 180 degrés, qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, regardez, là, j'ai le bâton. Le talon, ici, c'est le manche, d'accord? Là, quand je vais tourner à 180 degrés, je vais être ici. Poum, d'accord? C'est comme ça. Ça, c'est quand on tourne sur le talon. Nous, on ne veut pas tourner sur le talon. On veut tourner sur l'apchouk. L'apchouk est là. Le talon est là, d'accord? Et là, oum. Donc, on tourne bien sur le apchouk, d'accord? Donc, ça, c'est sur le plan. Vous voyez, ça fait 180 degrés. D'accord? Donc maintenant au sol, c'est ce que ça doit faire. Donc regardez bien mon pied. Je relève les orteils, le drop. Je suis là. Regarde le talon ici. Il est là-bas. Il va exécuter 180 degrés. Boum. Maintenant, il regarde là-bas. Mon talon ici regarde la cible. Et mon talon ici regarde, vise parfaitement le point d'impact. D'accord? Lui, il ne bouge plus. D'accord? Et là, on avait appris. Boum. D'accord? Et là, je tends. Je ramène doucement. Si je maîtrise le quatrième poussé, je maîtrise ça. Ok? Bon, on commence. Donc, je le fais ici pour vous. Ulgulmaki. Ici. 1, 2, 3. Hop, je tends.
et je tends la jambe. Doucement. Je reviens et là, je me place. C'est comme ça que doit s'exécuter le mouvement des jambes. Ensuite, c'est pas rigolo si c'est comme dans le 4. Du coup, maintenant, on va rajouter les mouvements du bras. Et ça, c'est nouveau par rapport au... Là, c'est Medjumok, pareil, boum, qui vient frapper ici. D'accord, Medjumok Bakachigi. C'est la technique, hein, Medjumok Bakachigi, Dunjumok Bakachigi. D'accord, les deux existent. On frappe comme ça ou comme ça. Donc, l'armement du bras. Quand je suis en Ulgul, le bras droit, il va monter ici à l'épaule gauche. Donc, si je suis là, 1, d'accord. Ici, je place le corps. On met la jambe ici juste pour comprendre. D'accord, je réa. Quand je tends le bras aussi. On ne peut pas faire de yop. Hein. Souvent, à l'époque, on apprenait, c'est un yop. D'accord. Oui, c'est sur le côté, certes, mais naturellement, c'est difficile de tourner le corps là et de tourner les dents en même temps. Non, 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 c'est ici les deux. Pas. D'accord. Et là, on vient frapper comme ça. Je suis là, je frappe et je tourne. Ici. Ok. On recommence. Donc, boum, ici, j'arme. 1. Vous voyez comment je suis? Je me place et là, je frappe. Boum. D'accord. Un dernier. Après, vous maintenez la position, on fait la suite. 1. J'arme. Je regarde la cible. Pouf. Ici, quand je vais réarmer, je vais ouvrir ma main. Vous voyez, je suis là. Boum. Je réarme, j'ouvre ma main. Je pose. Et là, c'est la Palco Pyojokchigi, la nouvelle technique aussi. Mais c'est simple parce qu'on l'a déjà fait. Donc imaginez ici, vous faites ici à Palco Pyojokchigi, vous faites ça au corps et vous venez impacter dans le creux de votre main. Ok, donc maintenant, regardez, petite astuce. Ici, vous avez un creux. On est d'accord? Si vous voyez bien, j'espère, il y a un creux là. Voilà, on voit bien. D'accord? Là, vous avez une surface parfaite. Donc là, quand vous venez impacter, il faut bien viser pour entendre. D'accord? Vous voyez, si je ne mets pas d'énergie, ça ne va pas bien claquer. Mais quand je mets bien l'énergie, ça claque. Ok? Moi, mes élèves, je leur dis, si quand vous faites le kunsé, ce n'est pas rouge à la fin, c'est que ce n'est pas assez frappé fort. D'accord? Donc, ils n'ont pas assez claqué. Il faut claquer la peau. Donc, quand je suis là, boum, je place. Voilà. Et là, vous êtes parfaitement, c'était un boum, boum, c'est bien réussi. D'accord? Le point ici est sous le biceps. Voilà. Là, c'est comme un sonal. Hein. Ça, c'est naturel, on connaît. Et là, il est sous le biceps. Souvent, on voyait ça. Non, on ne vient pas frapper ici. Hein. Imaginez, vous attrapez quelqu'un. Ça, c'est attraper quelqu'un. D'accord? Pour venir après impacter son crâne ou quoi que ce soit. Hein. Son dos, son corps ici. D'accord? Donc ça, d'un point de vue un peu martial, pour dire, ah oui, mais à quoi ça sert? Bon, imaginez, Yopchagi, déjà, vous ne tapez, vous tapez pas forcément à la tête. Ok? Donc, le bras, si vous frappez à la tête, il est déjà KO. Mais vous le frappez ici dans l'abdomen inférieur. La personne, naturellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Bam! Elle va se plier. Moi, vous le tapez sur le côté. D'accord? Regardez. Allez, on va prendre le camarade Bob une fois. Voilà, vous voyez bien. Ici, Yopchagi, boum. Imaginez, vous frappez là, il se casse en deux, il vient vers vous. Soit après, vous venez d'impacter là, bam. Soit, dans le meilleur des cas, il vient après, bim, ici, votre bras, il est déjà prêt, bam, parce que comme le bras, vous voyez bien, il y a une distance, la jambe va toucher en premier. Lui, il va venir, bam, s'impacter ici, vous voyez. Il va venir là, paf, s'impacter. Si j'ai le point là, et il va plier avec mon Yopchagi, bam, je le plie en deux, il va venir s'impacter. Ce qui va me permettre après ici, hop, ou si je descends, hop, je descends, boum, en protection. Vous voyez, ça a plusieurs significations. Il n'y a pas qu'une seule vérité dans l'application. Ici, après, je suis là, je viens le saisir, et là, paf, je l'amène. Vous voyez, je l'amène avec mon ancrage au sol. C'est à ça que sert aussi d'avoir deux pieds au sol quand on frappe. D'accord? Si je suis là et que j'ai qu'un pied au sol, comment je fais pour le tracter? C'est pas possible, c'est pas efficace. Et là, martialement, vous voyez bien que si vous frappez en même temps que vous taper, c'est pas efficace, ça marche pas. Là, j'ai deux appuis au sol, paf, voilà. Lui, il est lourd là, mais parce que je suis puissant, paf, je viens l'impacter. D'accord? Après, s'il est grand, peu importe. Voilà, c'est un grand, il est méchant.
Boum, pareil, c'est encore mieux pour moi ici, comme ça il est déjà KO. Et là, après, je peux l'attraper là et bam, plexus solaire est terminé. D'accord ? Voilà, ça c'était pour l'application de cette technique. Souvent, on me dit en stage à quoi ça sert. Maintenant, toute la France ici. Hop, voilà. Et après, bien sûr, si vous avez d'autres applications, il n'y a pas de fausses applications, il n'y a que de mauvaises explications. Voilà, ok ? Allez, donc ici, pareil. Boum, on a fini. L'autre côté, c'est la même chose. Donc, on est ici, j'arme, j'expire. Et ici, j'arme, hop, et là, boum, boum, boum. J'expire, et là, j'expire. Ok, donc maintenant, on va le refaire tout ça en expiration. Et après, on a bientôt fini le poussé. Il reste après trois techniques, c'est terminé. D'accord ? Donc, 4 pour être précis, avec position, ça fera 5. Mais voilà. Alors, on est là. Souvenez-vous. Tac, 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 tac. On a fait Arimaki, Montomaki, Hapchagi, Arimaki, Montomaki. D'accord ? Et ici, je vais sur le côté. Hop. Ici, j'arme. Ok. Hop. Et là, je vais de l'autre côté. Là, vous avez compris le principe. Quand j'arme, j'inspire. Boum, je suis là. Là, j'expire. Et là, comme c'est un coup de pied, je donne toute l'énergie. J'expire fort. Je suis là. Hop. Boum, vous voyez le bruit. Là, c'est là où vous avez réussi. Là, on refait la même chose. Allez, maki, monto, maki. Donc, j'arme. Ici, à Chari. Et là, nouvelle position. Mais ici, imaginez, on l'a fait ça. Dans le quatrième poussé. Boum, boum. C'est la même chose, mais on finit duit kwasogi. Duit kwasogi, c'est très simple. Alors, je me mets ici. On fait arimaki. Hachagi. Regardez. Mon hachagi, on est d'accord, il a frappé. C'est comme un déplacement. Un coup de pied en avant, c'est un déplacement. Je place ici le pied de travers, à 45 degrés. Les orteils vers la gauche, le talon vers la droite derrière. Ici, je place parfaitement mon hapchouk aligné avec mon autre hapchouk. D'accord ? Donc, regardez. Ici, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a la ligne du tatami. Je place ici. Et juste sur la même ligne, je place le vol du pied, le hapchouk. Quand le hapchouk, ici, est derrière, c'est duit, quoi se dit ? Duit, gubi, position arrière. Poids sur la jambe arrière. Duit kwasagi, d'accord, kwasagi, hein, c'est croisé ici. Position arrière. La hauteur est la même qu'aboubi ou ici. Donc il faut bien, il ne faut pas rester droit. Ce n'est pas possible. Je plie, je suis là. D'accord ? Là, j'arme et là. Donc c'est en frappant et en, après en accélérant que se fait cette technique. Donc, ici. Ici, vous avez le temps. J'inspire et là, vous voyez, quand j'avance le pied, on va faire ça doucement, Hapchagi, je suis là, un, là, le tronc est armé, et vous voyez, je finis la rotation de mon tronc, là. Je suis là, boum, je pousse, c'est pas un saut, hein. D'accord, souvent on voit, non, c'est une translation du poids fluide, comme un pas chassé. Mais bien stoppé. Et le fait de contracter ici, ça va vous aider. D'accord ? Et là, le poussé est terminé. Donc, on va juste reprendre ici du Hapchagi. Donc, boum, boum, boum. On est là. Plutôt dans ce sens pour vous. Ok, on était ici. Bam. Ici, allez, maki. Ha. Deux. Hapchagi. Boum. Et là, donjumo Hapchagi. Allez, je le fais vers là-bas. Allez, maki. Bon, toi, maki. Hapchagi, et regardez, je plie le genou, j'arme le tronc, du coup naturellement mes hanches vont tourner et ça va permettre de placer mon pied. Vous voyez, je suis là, regardez, ça se tourne tout seul. Hein. Mais on utilise cette rotation naturelle et après on revient ici, paf, et là terminé, donc c'est terminé. D'accord ? Donc, lui de quoi se dit, je le rappelle, c'est quand le hapchouk est derrière. Hap quoi se dit, c'est quand le hapchouk est devant, koyo. D'accord ? Ou pire moi. Duit kwasagi, derrière. Ap kwasagi,
devant. OK? Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Donc maintenant, je vous ai dit, on a le temps pour faire une deuxième style de respiration et ce qui va tendre vers le haut niveau. Là, on a fait vraiment un 1-2. Anna. D'accord? Maintenant, c'est plus lié. C'est. Vous voyez, il y a, sur l'expiration, il y a deux temps. Il y a deux curseurs. Le premier curseur, la première vitesse d'expiration, c'est lente. Ça me permet d'engager mon mouvement. Et la finalité, d'accord, ce qui reste, c'est vite. Donc ici, je finis. J'inspire. Et tout ça, c'est un cycle respiratoire. Le vent ne s'arrête jamais. Même quand il impacte quelque chose, il continue, d'accord, vers le haut. Il va quelque part, le vent. Il n'y a jamais de stop. Et c'est vers là, en fait, que l'apprentissage du poumsé de haut niveau commence aussi. D'accord, c'est pour ça que c'est des poumsés de compétition. Et les 1, 2, 3, c'est poumsé de base pour apprendre le mouvement du corps. Et les poumsés 4, 5, etc., ça commence à être des poumsés où on a besoin de ressentir les choses. Donc, on va le faire une fois. Vous devez sentir ici une inspiration et après une expiration en deux vitesses. J'accélère crescendo, une vitesse crescendo, c'est-à-dire je lentement et je finis vite. OK? Donc, on va le faire une fois et ça va suffire. Donc, on remet son dombok à ceinture pour faire un bon poussé. Voilà, on va le faire doucement. Je le fais face à vous. Comme ça, ça va être tranquille. Et ici, on inspire. Voilà. Ici, je reviens. Voilà. Suivez bien. Sentez l'accélération crescendo de la respiration. Et ça, c'est pareil pour la technique. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la respiration gère le poussé. Ce n'est pas l'inverse, hein, c'est vraiment ça. Ici, tranquille. Sentez que vous partez la respiration, que vous commencez à expirer et après vous accélérez. Ici, c'est parti. Là, on le sent bien parce que. Vous voyez ? C'est en un coup, il faut expirer encore plus sur le deuxième. Ici, pareil. Et je fais exprès doucement pour que vous suiviez. Ici encore. Voilà, c'est la partie rapide. Et la dernière. Vous voyez, je ne stoppe jamais le mouvement. Quand je fais ma technique, c'est à la fin que je stoppe, à la fin de l'expiration. OK, on est là. Hop, donc là, je continue. Tranquille. Voyez, vous entendez? Et ici, les derniers mouvements. Achagi. Et ici. Et la dernière. Achagi. Vous voyez, là, vous devez sentir à la fin exactement ça. J'inspire, hop, hop, achagi, j'inspire, et après, regardez, et je me laisse partir et j'accélère. C'est pas ici, boum, et d'un coup, paf, je peux pas, ça, après, je vais arriver trop tôt. Je vais pas maîtriser tout cet élan. Mais là, je peux maîtriser. Et là, je stoppe. OK? Donc, voilà, c'était Tegouk. Oja, le cinquième poumsé avec la respiration, c'est un poumsé qui va vous demander de travailler beaucoup la respiration. Donc, pour descendre un peu du niveau de difficulté, faites-le sur le Iljang, Ijang, Samjang, Sajang. Et comme ça, après, dans le Oja, naturellement, il y a des choses qui vont revenir. D'accord? Et voilà. Donc, vous ne devez pas être essoufflé à la fin du poumsé, sinon ce n'est pas bon. Donc, sur la respiration, on ne monte pas les épaules. C'est vraiment le diaphragme qui joue tout ça. Et après, là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, je fais exprès de faire du bruit. Mais si vous faites du bruit, même en passage au gras dans la compétition, c'est considéré comme un manque de maîtrise par rapport à votre corps, à votre respiration. D'accord ? Donc, voilà, c'était pédagogique. Ne confondez pas tout. Allez, moi, j'en ai fini avec ça. Donc, si vous avez des questions, c'est toujours pareil.
le Facebook, d'accord, Alexis Smerman. Et ensuite, dans pas trop longtemps, là, je vais commencer à parler d'un stage que j'organise cet été. Donc, je vous tiens au courant. Donc, c'est un peu le même format que l'année dernière pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes intéressés par ce stage privé qui se passera au cœur des Pyrénées. Donc, voilà, on va pouvoir s'entraîner pendant une semaine à 15 jours ensemble. Ça va être bien. Ok, ok. De toute façon, ça va arriver incessamment sous peu. En attendant, dos box ceinture, tu es là. Voilà, bravo à tous. Voilà, travaillez bien. Envoyez-moi vos poussées. Sinon, sans correction, ben, ça va être difficile pour vous d'être performant. Hein. Là, je vous donne de la connaissance, mais si derrière, il n'y a pas de correction, vous pouvez partir dans un chemin qui est complètement l'inverse de ce que j'ai pu dire selon votre compréhension et votre expérience. Voilà, voilà. Allez, Hana, tout le set et que le Tech Fund nous soit avec vous.